petite, j'ai toujours été avec mon papa. Tous les dimanches, on achetait des fleurs pour ma maman. Et j'allais tout le temps avec lui, et de voir ces bancs de fleurs dehors, ça m'émerveillait, et j'adorais choisir les fleurs pour que la dame nous en fasse un bouquet. Et je sais pas, j'ai toujours aimé ça, et je me suis dit pourquoi pas. Et grâce à mon stage de 3e, c'est concrétisé que oui, c'était ça que je voulais faire, quoi. Je savais que je voulais être fleuriste, c'était mon but, et j'ai tout fait pour. Je suis partie en MFR Lavernais pour faire un BEP horticole, parce que j'ai fait un stage chez une fleuriste, justement en 3e, qui m'a dit que c'était mieux de faire un BEP horticole, comme ça je pars de la plante à la fleur après. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait 2 ans donc de BEP horticole. En même temps, on m'a proposé de passer à un BEP vente action marchande. Et après, en fin de BEP, mes professeurs de BEP m'ont bien aidé à trouver ma voie tout de suite derrière. En voyant que je ne trouvais pas un CAP, ils m'ont dit, bah écoute, on peut faire autre chose, faire un bac, au moins ça te servira toujours. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, et avec mes parents et avec les professeurs, ça a été... Et après, du bac, je me suis dit non, je veux retourner. Enfin, j'aime bien la vente, mais je veux retourner dans ma principale idée, la fleur. Et du coup, je suis partie en CAP, toujours en MFR. J'ai choisi cette formation, le bac pro commerce, parce qu'en fait, à la fin du collège, voilà, les cours, c'était pas forcément trop ma passion. Donc j'ai voulu allier boulot et école pour découvrir donc le monde du travail, le monde des grands, on va dire. Et en fait, lier le commerce avec ma passion qui est l'équitation, parce que j'ai pas trouvé de boulot qui m'intéressait vraiment dans le cheval. Donc du coup, j'ai dit, bah, je vais allier ma passion avec le métier. Et puis le commerce, c'est un métier qui est diversifié, donc on peut trouver des voies dans plein de boulots. J'ai réalisé donc mon bac pro en apprentissage au sein de cette boutique, et puis j'ai réalisé aussi mon BTS en apprentissage, mais chez Orange. Pour mon bac pro, oui, j'ai réalisé cette formation au sein de la MFR de la Vernée, qui est vraiment une très bonne école et qui m'a permis donc d'obtenir mon bac avec mention avec ses formateurs et au sein de cet établissement. Avec l'apprentissage, je trouve ça tellement génial, on rencontre plein de monde, ça change du parcours scolaire traditionnel, et grâce à ça, voilà, l'apprentissage m'a permis de vraiment m'épanouir dans mes formations, quoi. L'apprentissage, certes, faut travailler, c'est bien, ce qu'on est rémunéré, etc. Mais il faut continuer derrière aussi, et que voilà, on est motivé. Quand on est motivé, on peut y arriver. Parce que l'apprentissage, c'est vraiment pratique pour apprendre, et il n'y a que comme ça qu'on apprendra. Parce que sortir des cours, enfin, des cours, c'est bien, c'est que la théorie, mais la pratique, c'est ce qui fait tout. Donc même pour un CV, pour plus tard, ça change tout. Pour un employeur, c'est ce qui change, c'est ce qui fait le petit plus sur une candidature. Quand j'ai fait mon BTS chez Orange, c'est ce qui lui a plu à mon employeur, du fait que j'ai fait un bac pro au sein d'une boutique. Ça a mis le petit plus pour que tout de suite je sois apte en fait à travailler. J'aimerais bien installer ma propre boutique, avoir ce défi, peut-être l'année prochaine. Mon projet de base, c'était ça, en fait, d'allier ma passion avec le commerce pour pouvoir ensuite créer ma propre boîte dans le matériel d'équitation.